On est bien d'accord, on est bien d'accord. Du coup, ça, c'est trop de likes suite à un Smash Bros. Tough Shield. Mm. Et du coup, voilà, c'est Dreamland direct pour une Ubisoft. Le pays du rondoudou, comme on l'aime. Avec la le pays musique. Des floaties. Là, pour le moment, ça se tourne autour. Hop là, oh, dommage. Dommage. Reste là-dessus. Le neutral, ça touche la tête. Bam, bam, il le coince cette plateforme. Mais le vent qui fait tomber le Fox de la plateforme, justement. Et il reste un peu au-dessus. Ça va pas se taber. Souvent, ça se tabe le en bas à deux. Oh, joli. Très joli. Il a attendu jusqu'au bout pour taper chemin aux limites du bouclier. Et là, ça, c'est probablement le débuster du buster. C'est aussi beaucoup de place hein, pour zoner. Hein. Pour justement partir sur les plateformes à chaque fois. Il est beaucoup plus dur à attraper hein, dans ce match, dans, sur ce terrain-là aussi. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est un bon stage pour... double paire à la limite voilà, en hauteur. Et 103% pour perdre une vie avec Rondoudou. Hein. Il a pas besoin d'un grand stage pour perdre ses vies vite, Rondoudou. Hein. Même sur un petit stage, il aurait perdu à ce niveau-là. Donc finalement, je suis d'accord avec toi. Là, c'est beaucoup d'espace pour Rondoudou. Mais surtout aussi beaucoup d'espace pour Fox qui peut du coup faire un peu ce qu'il veut et vraiment attaquer quand il en a envie. Encore. Oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça tue pas encore. C'était la panique là, double spot dodge, c'était la panique. Oh, très joli upper à la redescente de la part de la part de Mango. Ah bon, ça tape dans le bouclier qui diminue. Là pour le moment, ça roule, ça remonte sur le terrain. Ça reste en bas, là où Fox reste en haut. Là, il peut essayer de le suivre. Il le suit le grave avant qu'il passe. Faut le garder. Et le back air qui touche le deuxième, juste ce qu'il faut. Très même propre. Même si la DI était quand même bonne. Hein, la DI était Mango. Bonne. Mais il a su bien le suivre. Hein. Il a su bien le suivre. Il a su se laisser tomber, bien suivre la courbe, la récupérer à l'atterrissage. Non, propre. Et il attend un peu, il se retourne. Et joli back air. Toujours une vie de recul, enfin une vie de retard, pardon, pour Angry Box par rapport à Mango. Là, pour moi, ça se tourne autour, ça touche l'adversaire. L'avant baisse, ça n'enchaîne pas derrière. Là, hop, ça touche avec le grabot. Ça arrive pas à enchaîner, ça chaîne le grabot encore une fois. Que des petits coups encore une fois, hein. Des petits coups, pas de combo là, c'est pas possible, ça arrive pas. Ça arrive pas à trouver les possibilités. Bon. Là pour moi je pense que c'est beaucoup de petits. Hop là il le coince sur la plateforme. Il le coince sur la plateforme, il le repousse, attention. Comment? Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que tu... Non mais j'entends des voix comme ça dans... En backstage dans les coulisses, j'ai l'impression de connaître quelqu'un. Mais bon, bref. D'accord, ok, je peux. On est parti. Bon, on verra ça, écoute, je sais pas, non. Oh, dommage. La diagonale très mauvaise, du coup, qui a pas permis à Mango de s'accrocher justement sur le bord, là, enfin, ce qu'il voulait. Hop, le tilt haut, très joli tech, directement extérieur, on sait jamais, ça peut se faire rester s'il est au sol. Belle smash DI, ça se tourne autour, le backer, ça passe pas, il le suit, là, il le rattrape à l'atterrissage. Là, c'est vraiment le moment de placer un reste pour me. Pour Angry Box. Il faudrait qu'il y arrive justement. À ce moment, mais c'est pas facile. Hein. Il l'a placé sur la première vie. À Mongo, il a fait bon, ok, d'accord, ça va, j'ai compris. Sans en placer un seul, c'est très difficile de gagner contre un Vox. Hein. Vraiment. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Sauf je pense que c'est le reste aussi qui aide véritablement à rééquilibrer. Hein. Ouais. Sans ça, sinon c'est Vox vraiment qui. Mais encore une fois, faut-il qu'il fasse le reste à bas pourcentage, sinon il peut très bien se faire tuer. En effet, si le Fox décide de mourir plus. Il veut quasiment plus à ce pourcentage-là. C'est ça. Donc il revient là-dessus, zone. Mais là, avoir ça un grand terrain contre lui, justement, c'est problématique. Il a largement le temps de se déplacer, faire comme il veut, punir. Il a toute la place qu'il veut. Mais vraiment. C'est ça. Trop. Non. Et Mango, il énerve. Mango, il s'est pas pris de coup. Hein. Il a juste mis des petites droites à droite, à gauche. Mais ça monte. Les pourcentages montent. Oh, joli backer. Très joli backer. Ça se laisse tomber de la plateforme au Waveland. Ça sait qu'il va atterrir. Et bam, ça l'arrête net. Net dans son approche. C'est compliqué. Ah, on va se retrouver la loser finale. Du coup, est-ce qu'il va encore prendre Dreamland? Est-ce qu'il va changer? Je pense que c'est le moment de sortir un Fontaine. Un Fontaine, ça me paraît bien. Un Fontaine, je pense que soit il va prendre Fontaine. Ou au pire, il coupe Interpick et il prend Falco, qu'on rigole un peu. Oh, on va bien se marrer. Ah, non, il reprend Dreamland. Ils reprennent Dreamland. Ils sont confiants là-dessus. Ah, sur le stream, ils sont gourés, ils ont donné le point à Angry Bucks, ils sont mignons. Bon. Pourquoi pas. C'est les mots. Pour le moment, hop, ça touche. Ça reste long, encore une fois, des petits coups, coups. Le grab, bam, le père, il le suit. Eh non, le wave dash raté, c'est vraiment dommage. Une espèce de d'air dodge là dans le vide qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Là, le backer. Ça se touche pas, le père dans le rond de doux. Ça monte. Trop. Et là, le backer. Oh non, toujours pas.
Ça suit pas, hein, ça suit pas. Hein. Pour le moment, ça reste dans les airs. La sauce pas trop se toucher. Le placement est juste vachement important. Gribbox qui reste bien au sol. Le Mongo est plus dans les airs. Cette fois-ci, passe en mode j'attaque. Hop, hop, pression. Le nerf qui passe. Oula. Mongo qui veut. Gribbox qui veut même plus sauter. À ce moment-là, il reste au sol. Il dit non, je décolle pas d'ici, je décolle pas. Mais non. Attends, c'est bien risqué. Hein. Il essaie d'autres trucs, je pense. Il essaie d'autres trucs. Après, c'est peut-être une bonne chose s'il restait un peu au sol. Il essaie plus, vraiment de punir exactement ce que fait. Ah là, il faut confirmer. Propre. Est-ce qu'il arrive à le suivre? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il n'arrivera pas à le suivre. Le back air qui passe. Non, bam, bam. Hop, hop, le neutral qui arrête tout le jeu. Et l'avant qui le repousse. Faut vraiment pas qu'il se fasse distancer au niveau des vies. Hein. Très difficile de revenir. Parce que la seule opportunité qu'il aura, ce sera le reste. J'avoue, parce que Mongo, il s'approche pas du bord. Hein. Ouais. Et il s'approche pas du bord. Hein. Il sera pas gimpé, Mongo. Pas du tout. Ça me paraît compliqué. Hein. Il n'a pas eu un depuis le début. Là, il a pas gardé. Non, il recule. Dès qu'il se retrouve, même quand il a l'avantage, il recule au centre du stage à chaque fois. Ouais, mais là, pour le coup, je sais pas. Gribbox, ça a laissé un gros blanc. Oh, bien le double air là-dessus. Hop, il le suit, le grabaille, encore une fois. Il y va pas, il est pas allé là. J'avoue, c'est faut dommage. Il partir en dehors. Contre Fox. Hop, il tourne un peu, t'as vu, mais pas de coup, il fait juste peur. Il voit qu'il va taper dans le bouclier, de toute façon, sinon il se tape dans le bouclier, c'est punition directe de Mango. Donc il l'attend un peu plus, le joli back air. Hop, dommage. Sur un autre stage, il l'aurait touché en fait. Les plateformes là étaient trop hautes, il pouvait pas atteindre l'eau de la plateforme avec seulement deux sauts. Il aurait fallu un troisième. Oh, bien là, donc, on est forcément au niveau de ce coup là pour pouvoir revenir beaucoup plus facilement. Il attend un peu, il lui met la pression. Des backers, le gravement qui passe. Il a pas puni cette roulade, c'est dommage. Et le père qui passe, ça passe, ça retire la vie direct. Là pour le moment, ça se tourne autour. Le backer qui touche et le Fox qui perd sa vie. Un match quand même beaucoup plus serré là. Un peu plus confiant là, une Gribbox. Mais qu'est-ce qu'il a tenté, dis donc. Et la petite punition, elle avait direct, pas assez de pourcentage. Petite punition, 52%, 52%, quand même, ça va. Oh, ça fait mal, hein, c'est donné. Pour un reste raté, 52%, c'est la moitié de ta vie qui part, quoi, clairement. Surtout dans ce match-up. Et qui plus est, même ce stage, de toute façon. Sur un stage, j'aurais pu même encore là. Oh, il l'avait la pente. Oh, la dash tech, juste qu'il fallait le repousser. Là, pour confirmer, double. Backer, le Fox en bas, il c'est pas fini, c'est pas fini. Il le lâche pas. C'est pas fini. Il le lâche pas. Le deuxième sourd qui a touché, mais le backer, encore une fois. Il est toujours là, il le suit, il sait. Il en font un deuxième en dehors, sinon. Il le sait. On va le faire de l'autre côté. Ah, il a visé bien la plateforme. Il a réussi à revenir. Il savait. Il a plus cher, mais il a repuni derrière, sans problème. Il faut bien, dès qu'il reprend le jeu, Fox, il a toutes les occasions. Toutes les occasions. Un petit one stock match, ça va donner. Là, justement, c'est une configuration. Mais vraiment. Là, c'est facile. C'est à rêver pour le reste, là. C'est ça. Et justement, on reprend confiance directement, là. Là, pourquoi il ne pourra pas se faire punir hein, s'il reste Il ne pourra pas se faire punir. Oh, fantôme hit. Deux. Après un fantôme hit, il a réussi à la récupérer. Configuration une vie. Fox, rondoudou. Là-dessus, c'est toujours le rondoudou qui a justement la possibilité de faire le maximum de dégâts. Quoi. C'est vrai. Il se retrouve. Là, il a la posée du reste. Il dit si je fais un reste, je ne vais pas me faire punir juste après, donc c'est parfait. À 0%, il faut le tenter. Mais j'avoue que je pense vraiment que rondoudou en one stock match comme ça, il a plus. Parce qu'en plus, à 0%, même s'il le rate, il se mangeait une punition derrière, mais pas assez pour le tuer. Bon, en tout cas, là, c'est le dernier match de la winner finale. Il y a 2-2, c'est archi serré. Sur History, un tout là, petit stage. Là, bien petit. On va voir, ça va donner la Mango, va pas pouvoir s'étaler tout. Et pour vous dire, c'est lui qui a choisi ce stage, Mango, je pense. Hein. C'est Mango qui a choisi. J'aurais préféré qu'il prenne le Poké Stadium, justement, un peu plus de place. Parce que là, un niveau si petit, un bon backer, ça suffit. Hein. Pas besoin, justement. Peut-être qu'il voulait un peu plus coller Hungry Box, qui là ne fait pas de reste. Upper, Lafa. Il le repousse, là malheureusement il se fait grincer. Ah non, le backer. Mais le smash sur l'atterrissage. Puissant. Non, balèze là-dessus. Le grab qui passe pas. Bon. Souvent il est bien faire ça. Hein. Il est bien faire des petits sauts grab. Malheureusement, ça passe pas tout le temps. Non, le petit edge cancel. T'as vraiment cet edge cancel au niveau de ces plateformes là, ça ruine totalement le jeu dans Gearbox. D'un pire. Coup, impossible justement de prévoir là où le personnage va arriver, puisqu'il faut faire une esquive justement direct après. Justement, dans Melee, lorsque vous faites un aérien ou un coup spécial et que vous atterrissez en bord de la plateforme, vous n'avez pas de lag, justement. Et donc, ce qu'on appelle ça un edge cancel, justement, ça permet
on va dire, de feinter l'adversaire justement avec un coup qui donnerait du lag à l'arrivée, mais en fait non. En tout cas, du coup, pour le moment, ça se tourne pas trop mal autour. Là, ça met le père et le voilà, ça passe forcément. Plus à l'aise là-dessus. Non. Mango. Là, pourquoi une Greybox du coup qui a une vie de retard par rapport à. Par rapport à Mango. Là, c'est laser au radius. Oh là-dessus. Hop, ça touche. Ah non, il aurait pu mettre le reste hein, ici. Il avait 5%, ça se faisait hein, largement. Ouais, mais toujours une DI basse, c'est toujours un petit souci la DI basse, ça peut prendre très cher. Sur History, il peut. Avec un gros spot show. Oh. Après, il est dans les airs, il est quand même en mauvaise position, ouais. Tu vois. Il peut se prendre juste un EPR derrière et il perd sa stock. Mmh. Je pense que c'est grave chaud pour lui de prendre ce risque. Ça se tente. En tout cas, ça se tourne autour. Toucher, là. Hop oh, oui. Et la petite shield DI là, Mango pour se déplacer. Le grabot, le EPR. Comme ça, et ce sera fini. Allez, là, faut confirmer un Greybox. Le grabot encore une fois. Le grabot avant cette fois-ci. Ah, ça touche pas le blason dessus. Ce genre de plus petit drill et ensuite up smash. On dirait que c'est un combo limite de Fox, mais est-ce que ça fait combo ça? Je sais jamais. Je crois que ça fait combo. Je crois vraiment que ça fait combo. En tout cas, je juste. Oh, le grabot arrière. La Fox de cette situation, est-ce qu'il. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un fantomie, tu as un double chelou, j'ai pas compris là. C'est pas possible parce que c'était un fantomie puisqu'elle est plus réveillée juste après, je comprends pas. Avant que ce soit le Firefox qui l'ait fantomite, je sais pas, c'était étrange, là c'était grave étrange. Étrange, on a pas de replay, non, ah, plus bien, pas de jeu qui passe. Ah, ça se touche pas pour le moment, c'est une soc pour un Greybox, grave chaud. Là il attend, justement il le suit bien sur la plateforme, ça le force à faire la petite air dodge, il le suit pas. Oh dommage. Faille mais bonne prise de recul de Mango. Le grabot là il a direct, bam bam, il prend ses distances, blaster, ça fait gratter les pourcentages, ça veut gratter. Un Greybox qui essaie de coller l'adversaire, là ça reste loin, ça touche. Est-ce qu'il le fait tomber? Si, le backer sur le saut, bien joué. Patch, la stock. C'est grave chaud pour cette winner finale. Pas de reste à ce niveau là, ça risque. Oh, le smacho! La portée de ce truc là! Le smacho de si loin! C'était tellement loin! Il l'a emporté! Emporté! Mango qui part en finale. Ah, qui veut son deuxième treat? Hein. Il a eu l'Evo 2013 et il veut l'Evo 2014. Quoi. Et là. La base! Et là! Bien sûr un match dont on se rappelle. Armada contre un Greybox. Armada contre un Greybox, donc on l'a vu tout à l'heure. On a vu le Falco de Greybox, ouais. Au puissant Falco. Non, on a surtout vu le petit Yonglink rondoudou et surtout Armada qui a perdu. Ah, justement, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé ça. Mais il a chauffé sa pitch, hein, contre Axe et contre Pipi. Peut-être qu'il va oser le sortir. Hein. Ah, ça me m'étonnerait qu'il sorte sa pitch contre le rondoudou de Greybox. Tu vois, ça se tente, hein, vraiment, ça se tente. Je trouve, là il est en best of 5, on peut pas l'oublier. C'est vrai. Il peut le faire sur le premier match pour essayer de voir si. Je sais pas, après ça fait vraiment des années qu'il l'a pas fait, ça me met sans rien qu'il le fasse comme ça sorti nulle part. Je sais pas. Il sort vraiment pas à l'aise. Hein. Franchement, contre n'importe quel rondoudou, il sort Yonglink. Même contre Tech, il sort Yonglink Armada en règle générale. Ouais. En tout cas, ce début, en tout cas, c'était Evo qui ressemble quand même pas mal à l'Evo dernier. Hein. Mango qui tue tout. Tout simplement, sauf que Mango était parti des losers l'année Mango dernière. Mango était parti des losers, il avait remonté tout, ouais. On va voir ce que ça va donner Armada. Là. En tout cas, Armada, c'est bien de l'avoir à son. Le retour, on va dire, d'Armada. Ah, il sort d'un mois de training là aux États-Unis à faire 5-6 tournois. C'est son 7ème d'affilée. C'est son 7ème tournoi. Alors que monsieur avait dit l'année dernière, non, mais j'arrête, y'a plus de niveau. Ouais, j'arrête. Il s'est fait trier, il a eu 2-3 sponsors, il est de retour. C'est ça. Au top. En même temps, il avait tout gagné, il était champion pendant un moment et ça l'a saoulé un petit moment. Ouais, mais je comprends. Mais... Et du coup, d'un coup d'un seul, il a décidé de revenir là. D'un coup d'un seul, il a fait bon, allez. Allez. On va arrêter les conneries là. Du coup, Battlefield, Yonglink, Rondoudou, c'est parti encore une fois en BO5 du coup. Hein, ouais. Ça va être un long BO5 ça. Un très long BO5. Là pour le moment, ça ne passe pas. Oh là, l'air hop, hop. La bombe, ça touche le père, juste ce qu'il faut. Et ça va prendre ses distances, ça va faire un coup après un autre. Tout va se jouer, encore une fois, peut-être au pourcentage. Là, pour le moment, du coup, Armada qui prend l'avantage, hein, qui est beaucoup plus agressif que le match qu'on a vu tout à l'heure. Oh, joli là. Il faut justement qu'il soit plus agressif. Il le faut, il a vraiment pas le choix, je suis bien d'accord avec toi.
Là, hop, le grab arrière, juste qu'il faut, il le... Ah, allez, la bombe en bouclier, ça pète. Là, il attend, il a pas le temps de se faire une bombe, hein, mais juste un petit coup, il le maintient loin. Oh, bien. Ça, en fait, il essaie de repousser, et dès qu'il le repousse, hop, il peut sortir une bombe, dès qu'il est loin. Mm. Parce que là, pour le moment, il ose pas en sortir, ouais. Hein, il ose pas en sortir, il préfère faire des attaques aériennes. Il veut avoir les mains libres. Oh, petite feinte, là, d'Armada. Attention, là, la bombe. Hop, là, il met son petit coup. Oh, le smash qui passe, mais qui ne tue pas. Dommage. Ça ne tue pas Armada là-dessus. Vraiment, ça fait combo ce truc, Drill Shine. Mais pas question. Drill of Smash. Mais. Oh, mais... ça basse encore ça. Ça fait combo. Ça fait combo, mais oui. En fait, ça fait triper l'adversaire, genre. Mm. Ça le fait tomber un peu. Ce qui fait que du coup, un peu comme le Drill de Fox finalement. Ouais, mais le Drill de Fox, tu fais pas Drill of Smash, hein, ça existe pas ça. Bah, t'as le Drill. Ouais, mais t'as Drill Grab, t'as Drill Shine, ça passe gratuit aussi, bon, tu vois. Je préfère me manger un Drill Shine. Ça va, y'a pas non plus. Je préfère me manger un Drill avec un Drill Smash. Ça va, y'a pas non plus un Drill Rest. Quoique. Quoique. Mm. Serait-il possible? Bon, en tout cas, pour le moment, ça fait un petit. Hop, un petit nerf. Là, hop là, ça reste un peu loin, ça reste loin. Ça reste loin. Toujours ramadé, son contrôle du centre. Allez, viens, viens. Hop, c'est et ça. Non. Il contrôle le centre. Il le fait, il le repousse petit à petit. Bah. Bam, hop là, 20%. Et tu vois, tu reviens au centre direct. C'est ça. Ah, attention là, là. Oh, bien. Mais il remonte, il remonte. Hop oh, là, le neutral, le grab, le père. Non, Stana qui était tellement cramé. Hop là, il le repousse le coup sur la plateforme. Là, on est dans une sale, très sale situation. Le père, il a pas touché le sol, ça y est. Il rate son cancel. Le cancel, mauvais, bon game design. Ah, très bonne question. Bon, en tout cas, là, la bombe qui touche le neutral, bam, ça touche. Oh, là, il gratte à mort, mais il arrive bien enchaîné. Il arrive bien enchaîné, il arrive à faire bombe coup, bombe coup, bombe coup, il le rend fou. La mort d'un survivant neutral, et le petit backer qui passe encore une fois. Hop, il prend son temps, la bombe, hop, le boomerang. Il rattaque, il recule, il avance, il recule, le pied dans la tête, la bombe encore une fois, hop, le petit coup, le petit coup d'épée. Mais Hungry Boss qui réussit à trouver la faille, trouver le trou. La bombe quand même, hein, il partira pas avec un peu de il prendra le dégât jusqu'au bout quoi. Ah il a eu le temps, il fait ah par contre vas-y je meurs mais vas-y prends une dizaine de pourcents pour moi s'il te plaît, ça me fait plaisir tu vois. Bon, donc là faut qu'il le tue là facile, un petit up, là vraiment un petit upper ou un donner là-dessus, oh non, trop loin le donner. Ça passe à côté, ça passe à côté. Il faut qu'il confirme en fait, bombe tout aérial mais il arrive pas forcément à le faire là devant. Attends, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Faut qu'il la lance, qu'il voit qu'il va le toucher et tout de suite qu'il fasse un double saut. Attention là, oh là et qu'il se prépare. Oh là, le reste aurait pu partir. Non. Mais s'il faisait un reste là, encore une fois, là, sa vie elle partait direct. Pour le coup. Et attention là. Direct. Là, hop, la petite bombinette, ça touche l'adversaire et le neutral. Le neutral. C'est bon ça. 150% en même temps, forcément la vie elle tombe. Hein. Pas besoin de tuer l'adversaire par le haut au bout d'un moment. Là pour le moment ça tourne un peu autour, ça n'ose pas trop se toucher mais ça tape dans le bouclier. Le smash dans un sens, smash avant. Dans l'autre, ça touche à la bombe, l'OB qui frôle l'adversaire. En mode ne viens pas me garder s'il te plaît. Ça monte, ça descend. Là, c'est le backer là-dessus. Dommage, il était passé derrière. Dommage. Et là, le backer la tête de. Oh putain, ce backer vraiment, mais à la limite. On se retrouve dans une configuration, une vie. Là-dessus, comme il a bien remonté, hein, Gribbox, hein, il avait quand même 2 vies de retard. On va savoir ce qui va se passer là-dessus. Là, on zone à la bombe. Je n'ose pas la lancer, faut y aller. Hop. Ça va gratter les pourcentages, là, ça va gratter les pourcentages. Hein, de finir en timeout maintenant, il finit en timeout maintenant. Armada, il s'en fout, hein. Il s'en fout. Ça joue le temps, allez, c'est lui qui a l'avantage là-dessus, il faut qu'il confirme. Mais toujours pas cette envie d'attaquer forcément, toujours reste au centre, c'est lui, à lui de venir quoi. Il attend justement que Hungry Box fasse son premier mouvement avant de contrer avec une bombe, tout le temps. Dommage, non, il veut pas attaquer, il veut clairement pas. Ah non. Il veut clairement pas. Il veut attaquer dès que je te toucherai avec ma bombe, c'est ça le but. Allez, touche. J'avoue, il se cache bien sous sa plateforme, tu sais. Et il bombarde. Mmh. Et il bombarde jusqu'à ce que ça pète. Allez, faut y aller. Eh bien, dommage, je sais que c'est avec. Oh, petite feinte. Attention là, on va essayer de voir ce que ça peut donner là-dessus. Oh, ça. En tout cas, c'est grave. Je l'ai touché, voilà. La bombe, on l'a attendu. Dès que la bombe a touché. Dès que la bombe a touché. Il était là, double saut de Donner direct.
direct après. Ouf, petit match de 5 minutes quand même. Et c'est que le premier. C'est vrai qu'Armada se faisait défoncer par Rondou d'Hungrybox pendant des années et des années. Ouais. Piche Rondou, ça passait pas, ça passait pas, ça passait pas. C'est pour ça qu'à partir de là, il a mis son Young. Et là, oh non. Et du coup, en effet, il a changé pour Young Link contre Rondou. Mm. Là, c'était beaucoup plus facile, il pouvait bien plus spammer en fait. C'est un low tier, Young Link. Mais un des rares. En fait, il y a des low tiers qui ont des match-up positifs sur les top tiers. Exactement. Et justement, Young Link, son match-up positif, tu sais, contre Rondou. Dans le sens où justement, il peut complètement spammer, complètement contrôler dans les airs en fait, mettre toujours quelque chose là où Rondou peut être sans le. En le saoulant à max. Alors, qu'est-ce qui se passe pour. Ouh là là, Hungry Fox, Hungry Fox, c'est le Hungry Fox. Ah là là. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que le Falco? Est-ce qu'il vaut mieux que le Falco? J'ai hâte de voir ça. En tout cas, c'est certainement un petit peu plus nerveux que le match d'avant. Ah ouais, quand même. Là, il nous en fallait. Allez, il a déjà du mal à faire un grabo à UA, donc on est mal barré. Oh. Le temps de chauffe, le temps de chauffe. Il faut qu'il se réhabitue à un perso avec deux sauts seulement. C'est compliqué. Avec deux sauts, fast follower, ça se fait comboter, ah, là, tout non. Ça, tout ça. Et comme d'habitude, hein, Armada qui est pas du tout impressionné par le Fox. Il a l'habitude, à mon avis, de battre justement des Fox avec Young Link. Bah, je pense surtout qu'il s'y attendait à cette. Ouais. À cette. Qu'on appelle ça. Mmh. À cette réflexion d'un autre joueur. D'un joueur. Là. Je pense qu'il savait qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il allait se faire counterpicker Young Link par. Par un Fox quoi. Oh, il l'a raté d'un rien. Il se prend ce upper. Oh, ne meurt pas. La bombe, le upper. Et il lui a rendu. Hop, ouais, grave. Oh non, oh, pas de smash dans les shields, les gens. Mm. Hop, il pose des bombes, il fait jouer le Fox juste autour pour que la bombe lui tombe dessus. Mm. Là, il s'accroche. Voilà. Ah, il reste accroché. C'est bon, il monte sur le terrain. Il attendait juste que la transformation se termine. Oh, et dommage. La bombe envoyée. Danger. Mmh. Après, ça se tourne autour du cou, ça se touche bien, ça reste sous bouclier malheureusement. Ouais, arrête directement. Ah, c'est un peu bloqué, mais c'est dommage. Oh, le backer. Il était parti pour jongler en plus. Allez, on prend une respiration et on est reparti dedans. C'est ça. Le drop, voilà. Ah, bah, tu vois qu'il sait faire des autres repères. C'est pas mal. Qu'il est fort. Allez bien. Le père, le deuxième, le troisième, enchaîne de sable, le quatrième, sur le deuxième, sous le quatrième et le cinquième en terre. Parfait. Parfait combo. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il y a eu un stab, un autre sur un deuxième saut, genre en mode il lui retirait les possibilités les unes après les autres. Mmh. Il était magnifique sur ce match. Magnifique. Là pour moi le back Kirby, mal atterrissage et le grappin un peu trop court. Un peu trop court, c'est qu'il a un grappin, mais il est vraiment très court et c'est difficile de s'en servir. Il faut mieux revenir normalement avec le B tout simplement, mais bon, il le sentait pas. Ouais, il voulait feinter un peu, je pense, créer un peu de mindfuck. Manque de bol, du coup, en effet, le courant était un peu court. Bien sûr qu'il part. Ouh, putain, sa zone à la fin. Pendant que sa zone de backer, c'est marrant, il peut rendre en fait, derrière toutes leurs phases. C'est trop. La base. Là-dessus, non, là, non. Oh, bien, c'est dégueu. Hop, le père et le terre qui touche. Bien plus puissant. Derrière. Oh, bien, hop, c'est là, bien. Hop, là, le neutral. Et le monopole, ça passe. Oh non, pas du tout. J'ai jamais eu l'impression qu'il est un peu plus à l'aise avec ce Fox. Contre le Fox. Oh là là, c'est bien. Hop là, il s'en fout. Il va gimper, il se jette dans le vide, là, direct. Quelle idée de prendre Fox, Hungry Box. Hungry Fox, non. Non. Tu es né pour jouer des floaties, Hungry Box. Pas normal. J'avoue plus qu'Hungry Fox, surtout un sad Fox là. On a vu Fox et Falco. Quand même, hein. C'est la première fois qu'on les voyait, mine de rien, Hungry Box. Hein. Allez, il a repris Rondoudou, il est reparti. Ok, stage facile. C'est aussi du coup Fontaine des rêves. Un stage bien haut, il se rapproche. Mais comme tout à l'heure en fait, c'est sûr qu'il l'a battu. Il a battu Mizuki. Armada. Hein. Du coup, justement, c'est un stage sur lequel tout est assez proche. Il va pas pouvoir trop prendre ses distances, mais il est à la fois très haut, donc tous ses down air ou up air ne vont pas tuer Rondoudou à des pourcentages plus bas. C'était justement sur ce terrain-là qu'il avait gagné justement Armada au premier match long, en winner. Je pense aussi. Bonne question, mais c'est vrai que c'était Hungry Box qui avait gagné sur ce match, du coup, justement. Bon. Là, non, là.
Et pas de, et dans ce match-up-là, en tout cas, il n'y a pas de reste hein, du tout de la part de contre Young Link. Hein. Bah, c'est rare, j'avoue, c'est rare. Là, justement, il se bat sans reste quasiment. Il peut pas du tout. Oh là là, bien. Bien là, il a face foulée pour essayer d'éviter, on va dire, l'edge guard de Hungry Box. Oh, ce Oh, ce match-là. match avant, ce qui passe. Il passe crème. Pas assez. Là, le neutre à Oh là, l'ébat, bien voilà, le smash. Patek, re dans ce match côté. Et évidemment, Oh, ça et take la pas. Joker. Smash On côté revient pas. direct. Ah bah non, du coup, non, il le suit, il le maintient, il le bloque, il le. La base de la base, je veux dire, là, c'est bon, bon, bon. Il ose pas trop y aller, il avance, il recule, il le traverse avec son coup, mais il reste pas proche. Hop là, Oh dommage. non, raté. Dommage. Il faisait la mort. Oh! Ah, et c'est la mort Et c'est la mort. direct! Easy. Pas besoin de bombe là, pas besoin de bombe pour tuer l'adversaire. Je connais pas le chat. Oh non, dommage. Tente un jab. Là, on le voit en tout cas largement plus offensif, ce McGregor. Je préfère largement quand il joue comme ça. Bien mieux là. Là, c'était du garde bien placé là de la J'avoue, part d'un c'était Grey Box. propre, c'était Il faut grave justement propre. qu'il fonce. Il a trop tendance à zoner. Oh, mais super là de la part d'un Grey Box encore. Lana. Ouais, il veut plus jouer avec des bombes. Voilà, on le repousse un peu pour sortir quelques bombes vers Ada. Sa zone au niveau du centre. Là, c'est maintenant une Grey Box qui a le contrôle du centre. On voit justement la différence. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Maintenant, c'est un stage plus petit, du coup, il y a plus de facilité à s'imposer comme maître du centre, maître d'une tour Et de. là, oh, Mais même avec ça le boomerang, ça tue! passe. Ça tue. Devi, alors faudrait que. Quand même, hein, c'est le match d'Armada d'Oganesma justement pour avoir son 3-0. Je suis d'accord, je suis Il faut entièrement qu'il le d'accord. passe maintenant, ce serait pas mal, j'allais te J'avoue. dire. Je pense qu'il en a plus de marre. C'est La vrai nana qu'il y a qui. un match, il y a un match supplémentaire. Il y a directement la grande Oh. finale. Là, en tout cas, du coup, ça se fait taper dessus, hein. Ça Oh, se le fait grave smash taper dessus, là, derrière. le smash, mais ça ne tue pas l'adversaire. Hop, hop, le saut, le double saut. Là, il attend. Ah, Ah, regarde, il a pas regarde-le. hésité à frapper là-dedans. J'aurais tenté le grab, moi. Mais bon. Lana. Oh, bien. Bien. Il est quand même en retard au niveau des pourcentages, mais ça se joue encore. Hungry Box, vraiment, qui veut pas se lâcher ça comme ça. Le Bakar et le deuxième derrière. Ah là, ça Oh passe là, il prend bien. une solide option là pour son 2. Il veut pas vraiment se faire bet 3-0 là. J'avoue. Bah, Là-dessus. j'espère que ça... Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais bon. C'est vrai qu'on aimerait que ça se finisse ce match. J'avoue. Oh là là. Attention là, Là, ça se tourne autour, hein. Ça là-dessus, se il n'arrive tourne autour. pas. Oh oui, voilà, il n'arrive pas du tout à sortir de bombe justement. Armada, il se bat. Il faut qu'il reparte dans une situation. Et là, il place ses bombes et juste derrière les aériales. Il n'arrive pas encore à le faire assez. Bien, là, les bombes. C'est assez incroyable en vérité. Eh bien, c'est joué. Là, on repart avec les bombes. Une bombe en aérienne, et là, c'est fini. Le Hana, bien sûr, pour le placer. Tu penses que ça va être fini là? Bah non, il faudrait justement. Dès que la bombe touchera, je pense qu'il y aurait l'aérienne juste derrière, quoi. Sans souci. Un bon Bon, coup ça va d'épée donner là. hein. Un bon coup d'épée. Bon, ça va. Il y a encore du temps, mais quand même. Là, faut vraiment pas se perdre, hein, rester. Oh là là. J'avoue. Boum! Et Ah, le grab. voilà! Assez rare, hein, le grab, en tout cas, contre Rondouzou. Hein. Ah, Tu le rates et tu pire! te manges un reste d'un coup. Donc, faut mieux pas. Ça se conduit et j'ai besoin de sauter pour Ouais. l'éviter. Hein. Sauter ou scroucher les trois quarts du temps. Celui qui se penche pour éviter les grabs des trois quarts des personnages du jeu. Ah, bien. Là-dessus, J'ex. donc, sa zone. Avant là, Hungry Box qui sent la pression monter. Dernière vie, quand même. Il rate ça. C'est la fin. J'avoue, c'est tendu du coup, C'est c'est bon. tendu. Ah, ouf. Ah, mon Dieu. Oh, faut pas vraiment se manger de paire à ce pourcentage-là. Et là, il revient au centre. Oh, il veut absolument revenir au centre. L'armada. Est-ce qu'il Attention à le reste. Oh, va y bien sur arriver? la Ça ne plateforme. passe Heureusement qu'il pas. y avait la plateforme. Hein. Sinon, il était mort, je pense. Complètement, complètement. Je suis d'accord avec toi. Je pense Et qu'il là, aurait été mort aussi. là, par-dessus. Là, le contrôle du centre de la part d'Hungry Box. Il faut absolument qu'il trouve ses backers. Oh, bien. Il reprend une bombe. Dommage. Pour coup, je pense pas qu'il arrête de. Ça m'étonnerait que ça s'arrête là. Hein. Je pense qu'il y aura d'autres matchs. Là, Greybox semble Oh plutôt non, pas bien. forcément. Oh là là, bien sûr, Allez! Il le fini pousse! le Il le deuxième. pousse! Allez, va-t'en! Va-t'en, mon Attends. territoire! Hungry Box, à chaque fois, on dirait qu'il est surpris de gagner le match, quoi. Je comprends pas.
J'avoue. Il est extrêmement surpris de gagner ce match-là à chaque fois, quoi. Genre le fait de jouer debout, il est peut-être un peu fatigué, là. J'en peux plus. Dans ses jambes. Comment? Bon, elle est là. Tu peux dans ses jambes? Oui. Dans ses jambes. D'accord, excuse-moi, ne joue pas. Comme il joue debout. Ouais, mais d'accord, c'est pour ça. Je comprends pas le rapport, j'étais dans ses jambes, quoi. Que de quoi il parle-t-il, enfin, le garçon? Bon, en tout cas, pour le moment, du coup, là, c'est Pokémon Stadium, hein, c'est un truc bien large, un plafond bien bas. Là, il se fait plaisir, le petit Armada. Et là, on a vu, justement, il était bloqué au sol, le petit Angry Box, il a fait pas mal de petits short-up avec une petite attaque, plus que prendre distance et sauver la bombe. Du coup, dès qu'il est au sol, il se permet d'aller agresser, d'aller attaquer, en faisant une petite pression. Là, heureusement, il a tenté de s'avancer. C'est vraiment au début d'agresser au maximum pour prendre le lead. Tout ce qu'il veut, c'est prendre le lead pour pouvoir après zoner un peu plus tard en during Angry Box. Voilà. Ouais, je veux dire. Là, il a pris l'avantage. Là, il va se retrouver dans une position, il va juste un peu plus zoner, sans pourtant attaquer, juste un peu plus punir. On va voir si ça passe, hein, j'espère pour lui. Oh, dommage. C'est ce tour, hein, la bombe. Armada qui doit. Oh, dommage. Il aurait dû faire un petit aérien là-dedans, là. Passer. Pierre, je vous intégrerai. Les bombes là-dessus. Oh, attention, la reste. Je pense qu'il va quand même tenter quelques restes. Oh, le match. Oula. Oh, ce petit combo là. Hop, oh, oulala. Merveilleux. Merveilleux d'air où il l'a pris, il l'a amené, il l'a coincé sur cette plateforme. Mais oui. Magnifique. Il a toujours joué avec le rebond de la. Joue avec le mur, justement, c'est ça le pire. Backer, rebond sur le mur, drill et hop smash. Truc impossible. Oh, tranquille. Truc impossible. Ben, là, c'est la petite remontée d'Hungry Box, il va vraiment pas partir comme ça. Allez, bon d'air. Une petite vie de retard là pour la part d'Armada, c'est pas grand chose. Faut qu'il arrive à en faire quelque chose en tout cas. Ça se remonte, mais c'est difficile, mais ça se remonte. Là, hop, ça prend ses distances, tranquillou. Là, pour le moment, ça se fait graber par le rondoudou. Là, hop, encore une. Hop, smash. Le père. Derrière. Ner. C'est tendu, ça se passe s'approcher. Hein. Ça se vraiment pas s'approcher. Il a toujours Pourtant, sa bombe. C'est Armada qui doit faire le premier pas là-dessus. Hein. C'est lui qui est en retard. Si le match dure, en plus, c'est lui qui voit la pression monter parce qu'il menait quand même 2-0. Faut vraiment pas qu'il revienne à 2-2. On va se retrouver dans une situation avec le stress là. Armada, il risque de flancher. C'est vrai, en effet. Ah là, le gras bien. Oh là là, stage guard encore là de mon d'Hungry Box. Putain, elle est repartie, hein, vraiment sur. La base, mon game, c'est la base. Non, mais c'est fou quoi. Elle est repartie, hein, on dirait que les deux premiers. Oh là 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 là. Ça fait y rester. Ben, c'est upper, hop là, il le pousse, regarde-le comme il le pousse. Beaucoup trop de pourcentage là, beaucoup trop. Il en a fait monter la masse. La masse, c'est genre trop vite. Là-dessus, le. Oh, sûrement là, le backer. Solide option là pour une Greybox. Il va sûrement se retrouver. Il a surtout la balle de 2-2 là. Il l'a. Oh. Et si il lui met. Ah, il partira pas comme ça en tout cas, Armada. Il se battra jusqu'au bout. Bon, ça donne du coup parce qu'il a deux stocks de retard quand même. Hein. Deux stocks de retard, 140%, ça risque quand même pas d'aller loin. Ça me paraît en effet un peu compliqué pour Armada sur ce match, mais ça peut toujours se faire, mais ça m'étonnerait qu'il arrive à faire quelque chose dessus. On va bien en tout cas. C'était direct. Et on se retrouve dans une balle de 2-2. Oh là là. La petite remontée d'Angry Box, parce qu'il nous fait un super tournoi Angry Box aussi. À chaque fois, il a jamais. À chaque fois qu'il a perdu, c'était du serré. C'était du 2-2. Il a fait 2-2 contre Mango. Là, il fait un 2-2 contre Armada. Armada concentré. D'abord, il est obligé de garder Yang Ling. Il est juste obligé de garder Yang Ling, quoi. J'avoue qu'il est obligé là. Sinon, si jamais il se fait. Si jamais il coupe leur pique. Ouais, non, mais non, au final, c'est. Angry Box qui a pas intérêt de changer, surtout. Il choisit Yoshi. Au moins, il va avoir un petit stage. Ça va un peu nous changer. Ça va un peu moins zoner. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'était que ce setup bizarre?
Bah là, genre le Wang, il met une vingtaine de pourcentage collé, tu vois. Mmh. Du coup, je pense que ah, j'avoue que s'il s'envolait là sur son truc, il aurait pu faire un aérien, hein, tranquille. Hein. C'est ça. Mmh. C'est ça, exactement. Attention, voilà, bien, il est chanté le match arrivé, moi, d'un coup. J'avoue, ça aurait été grave frais. Ça aurait été grave, grave frais. Là, pendant ça se tourne autour le bac, ça n'enchaîne pas derrière, malheureusement. Encore une fois, cette bombe lancée, là, et Rondo qui suit parfaitement bien. Là, il attend justement. Les choix là. De l'adversaire. Attends, non. On est déjà, il a raté son edge guard bien, là, de la part d'Armada. On repart dans une configuration bombe, tout aérial. Allez, faut la trouver, et sa zone. Là, bon, j'avoue, ça se tombe pas trop mal autour. Ouais. Hein. Il faut justement le premier... Oh. Sale situation, sale situation, mais il a réussi à s'en sortir. Il a réussi à s'en sortir. Oh, bien, là, le premier. Et la première vie qui descend. Ah, c'est Armada qui prend le lead. Celle de Greybox. Il a tué la Greybox, il doit forcément camper un peu moins, attaquer beaucoup plus. Oh, cette tech, ah, ça ne suffira pas. Mais il l'a suivi jusqu'au bout, il l'a suivi jusqu'au bout. Malheureusement, comme tu as dit, ça ne suivra pas. Ça ne suffira pas. Alors qu'en effet, c'était plutôt bien débrouillé, c'est vraiment dommage. Ouais. Beaucoup. C'est vraiment dommage. Allez, et donc là, on repart. Le lead, le bon boomerang. C'est ça, et genre, bon boomerang aérial, hop. Il prend son temps pour lancer, il prend son temps. Là, smash, tiens, ça faisait longtemps qu'on avait vu ce coup. Là, les bombes qui arrivent bien. Dommage. Là, pour moi, hop, hop, c'est son tour complètement, mais genre complètement. Mango, Angrybox qui est bien là, dans son petit coin là. Il veut pas partir plus loin en tout cas. Il veut pas partir plus loin. Bah, tout le monde est dans son camp, chacun son camp, la bataille au centre. J'avoue, c'est bien, c'est tendu là. Armadec ose vraiment, vraiment, vraiment pas du tout approcher. On voit qu'il recule à donf. C'est genre à base de petites bombinettes, etc. Dès qu'il commence à essayer de trouver une faille. Oh, le père. Malheureusement, le père, bien que bas, pas assez bas, pas assez bas. Il en faudra encore un. Et le neutral, pareil, pas assez encore une fois. Il en faudra d'autres aussi. Il a voulu l'arbre. Il merde bien là. Là, il s'était forcé une dégâts extérieure, donc forcément, c'était le neutral pour bien le pousser là. C'était bien joué la part d'Armada, c'était très très bien joué. Bien, là le backer là-dessus, hop. Ça se tourne autour le backer, encore une fois. Le upper parfait pour foirer toute la DI de la fin, des fois qu'il le tue sur malentendu. Et encore, et là ça devient vraiment difficile. Voilà, ça, il a le boomerang. Et voilà, Yogi, Yogi, tu peux pas faire ça, il peut pas faire ça contre Angrybox, tu vois. Ça, le truc, c'est que tu peux vraiment lui mettre la pression pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Angrybox, il a pas non plus des gros potentiels de combo, tu vois, mais il en a, et ils font mal, tu vois, et ils font très mal. Et Yomi, par contre, il a pas ses possibilités. T'as Angrybox là qui est très offensif. Oh, attention là, le smash derrière, quoi. Oh, bien, c'est bon, il revient au score là. Il revient au score direct. Il est totalement revenu, hein. Attention, c'est ça. Il est au sol là, ça vient chaud. Le grab. Il a tenté le grab. Bam, le neutral là, il voulait juste là, le pousser. Là, il est gonflé hein, avec son grab. Hein, j'avoue. À ce pourcentage là, faut pas le tenter, faut pas le rater. Hein. Hop là, c'est beaucoup de bombinettes hein, encore une fois. Ah, puis il les pète, oui, les box. Il doit les péter, tu sais. Sinon, il se les prend. Il essaie même pas de les rattraper. Oh, la petite mode dodge. Hop, la petite pression. Attention. Il se laisse tomber. Oh là. Il a pas fait son deuxième saut. Il l'a pas fait. Il le faisait, il se prenait un coup. Il est bien fait de rester bien tout en bas et faire son B jusqu'à la dernière minute pour éviter toutes les attaques. C'est très bien joué, là. Ça, Armada. On met un peu de pression là et c'est le bord. Bien le nerf là en sortant. Hop, le shield. La petite pompe qui passe à côté, le nerf. Ah, il essaie d'attaquer là. Bien l'anticipation du saut là. La trajectoire, pardon, d'Armada. Armada, il allait bien bas justement. C'est ça. Pour le choper. Il savait qu'il allait pas utiliser son deuxième saut tout de suite. C'est peut-être la dernière vie d'Armada. Il a pas intérêt. Ça peut se faire. Il a 3 minutes 30 encore pour lui retirer ses deux stocks. Ouais. Ça peut se faire. Attention, Bayer, il est en mauvaise position. C'est bon. C'est bon. Hop, c'est ça le problème. Parce que dès qu'il est proche, en fait, il prend des gros risques. Hein. Ouais. Il prend des gros risques, mais il faut qu'il soit au corps à corps s'il veut pouvoir le tuer. C'est assez compliqué. Et là, justement, Armada qui est un peu trop pressé là-dessus. Oh, le neutral qui passe. Nerf. Mais c'est pas ça qui va tuer Rondoudou malheureusement. Il faut justement qu'il reprenne son temps, qu'il reprenne patience avec ses bombes. Sinon. Dommage. Avec, attention le backer. Oh, ça sent pas monde. Ah, il revient à l'extrémis.
Là, pour le moment, ce qui va le choper ou pas, oh, le neutral là, qui passe pas. Ça t'est... Oh, joli. Oh, joli neutral. Dernière vie. Oh là, last smash, la stock. Là, ça va être chaud. Like. Là, ça va être là. Grave, grave chaud. Il faut rester rentrer là-dessus, Armada. Armada, au moindre coup, peut se faire baiser. Là, il est mal barré. Il est déjà mal barré. Aïe, aïe, aïe. Ah, si, si. Ah non. Oh là là, quand c'est le raté, mais ça n'a pas été puni, heureusement. Mais heureusement, parce qu'alors là, c'était la mort pour lui. Oh là là, le petit neutral, là, il met des petites pressions au coup de neutral. Pourquoi il reste collé à lui, là? Il reste collé à lui. Il est nerveux, il l'embête, regarde-le. Oh, le père est mort. Victoire, Hungry Box. Oh là 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 là. Je ne peux plus, vraiment, qu'il s'est battu jusqu'à la fin, 3-2. Oh là là, mais mettez pas là. Tellement. Mon dieu. Ah, frame, la pub, hein, il l'attendait, quoi. Comment ils sont... Il la pub, non. Oh. Quand même, la remontée qui s'est mangée. 2-0 de la part d'Amadou. Il revient 2-2 et ensuite 3-2 à la fin. C'est incroyable. Ah ouais, non, mais il a été vénère, là. Hein. Il a été vénère, le petit... Le petit Hungry Box là pour le coup. Armada, il était vraiment bloqué sur la fin de son TV, c'est ça. C'était genre Hungry Box, il pouvait faire des combos là où Armada pouvait pas. Et c'est là surtout où ça donnait l'avantage à Hungry Box, dans le sens où lui, des fois, il pouvait lui mettre des coups. Il remet la pub encore une fois. C'est qu'il pouvait lui mettre des coups, tu vois, mais genre il a vraiment pu faire combo genre en mode bah bah bah, tu sais, vraiment le faire pousser, le faire rebondir, lui faire des 0 to death. C'était, là, aussi, par contre, ça, c'était aussi ça Yoshi Story, quoi. C'est Yoshi ça. Story, justement, beaucoup plus facile, on va dire, de comboter là-dessus. Mais pour le coup, c'est pas... il me semble que c'est Armada qui a counterpiqué ce stage. Ouais, c'est Armada qui a counterpiqué Yoshi's Story, quoi. Mais c'est là où c'était risqué pour lui, du coup, puisque c'est Hungry Box qui a fait les combos, oui, c'est Armada qui les a fait. C'est pas Armada qui il avait pas justement assez de place pour faire son jeu avec ses bombes et ses aériales, quoi. Et bah justement, c'est là où il a été bête de prendre ce... Il voulait en finir vite, je pense. Si dommage, mais bon, c'était... match serré, quoi. T'as vu les mecs devant avec leur t-shirt Respect the Box? ils ont tous leur t-shirt Respect the Box. Genre... Et là, dommage, on a une finale 100% US encore. Mango Grey Box. Mango Grey Box. Du coup, en effet, c'est. Ouais. Mango Grey Box, Armada a fini uniquement. Troisième. A fini uniquement troisième. Ouais. C'est dommage, hein. C'est dommage, les petits Européens pas très bien montés là. Toujours un peu en dessous. Toujours un peu en dessous. Bon, en tout cas, la soirée, il y a eu la Coupe du Monde de foot là, mais je crois je que sais là, même pas qui a je gagné, sais là. Même pas le résultat non plus, mais là c'était 0-0 qu'on est arrivé. La personne en backstage qui peut nous dire qui a gagné. Non, mais là surtout que ça va être notre qu'on appelle ça. Ça va être notre finale de Coupe du Monde en quelque sorte. Bah, tu vois. Ouais. C'est un la peu ça, finale, tu vois. Il y avait... Prolongation de tir au but, mais j'espère pas quand même parce que. Tu imagines les tirs au but à ce match, toi? Voilà quoi, Sudden Death et c'est parti quoi. On attend 300% chacun, les bombes qui tombent et on pose la manette pour savoir ce qui va se passer. La mort subite, la vraie. Mon dieu. Bon, on y est, la grande finale. Alors, qui d'un floaty ou d'un fast faller va remporter l'Evo 2014? Quel type de personnage va imposer son style dans cette Evo? Alors, en tout cas, c'est parti du coup. Mango qui prend bien ses distances, qui met des petits coups. Oh là, dommage, le coup s'est dit direct le grab. Malheureusement, il n'y a pas eu de combo possible après. Il essaie de le récupérer, hein, mais ça ne passe pas. Touche le sol, il tourne autour le grab, ça passe à côté. Oh, magnifique! Magnifique le smash, ce que c'était sur le grab. Anticiper justement l'esquive sur place du rondoudou pour placer justement ce smash direct. Super bien joué de la part de Mango. Mango qui est quand même super à l'aise dans ce match-up là. Il connaît Hungry Box par cœur, il connaît tout. Par cœur, les possibilités du perso, il les connaît par cœur. Enfin, vraiment, je le vois quand même mal perdre hein, ce tournoi là. Surtout contre face à Hungry Box. Même si Hungry Box là, il a pas. Il s'est pas du tout fait violer là-dessus. 3-2 contre les deux. Ça se ferme. Hop là, allez, le grand boy qui passe juste qu'il faut le perdre le deuxième. Bam en descendant. Il attend, il va rester. Il va se. Ah, même pas, il reste sur la plateforme. Hop là, petit jab smash. Ça passe bien, ça passe crème. Il perd toutes les variations d'up smash à caser, tu vois. Ah, il y a moyen. Up smash after shield. Il va tout mettre. Allez. Allez, hop là, pour moi, ça tourne un peu autour. Hop, ah, le grab arrière, là, il est mal barré. Oh, il est mal et mal. Le backer direct. On a anticipé la trajectoire direct et le backer pour finir. Ah, bah, ça, la signature de tous les rondoudous derrière. J'avoue.
Putain, c'est là, serré. Là, pour le moment, le petit bagarre qui passe, bam, le rondou de mal barré. Allez, on va pas expliquer le moonwalk, sinon on n'a pas fini. Oh, le bagarre, c'était pas trop mal. La Ponton Greybox, il avait une petite occasion là. Il le maintient bien comme il faut. La dash tac, elle passe pas. Malheureusement, le coup qui tape dans le bouclier. Mais il fait bien le putain. Et il le force à reculer. C'est quoi du ces coup, wesh... Il lui fait des wesh d'un niveau pas possible quoi. Incroyable. Et du coup, ça a forcé un Greybox à reculer quoi. Alors qu'il était seulement en bouclier, ouais. Il force un Greybox à reculer. C'est quand même propre quoi. Et là pour le moment, hop là, il essaie de le. Ah, ça passe pas trop. Il essaie de reprendre le contrôle du centre du stage. Là, il va le chercher. Non, monopole, backer. Il attend l'atterrissage. Et le monopole. Oh, dommage. Forcément, normal, tranquillou. Pépère. Non, en tout cas, ça reste un peu au-dessus. Les blasters, les blasters. Dernière vie pour une Greybox. Le père, le deuxième. Oh, joli smash d'AI. Le petit très blaster. D'un coup. Hop, encore un. Hop, des petits blasters. Ah ouais. Oh, dommage, dommage. Oh, c'est le DI qu'il a fait là-dessus. J'avoue. Sinon, c'est direct. On reste direct. Plus DI direct. Il y a le blaster qui passe pas. Oh, dommage. Le backer en light. Il le fer juste hors de. Ah, la petite pression, ce qu'il le grabe, ce qu'il fait quoi, non? Il a tapé ce sens. Ah, magnifique. Il a pris le temps de se retourner pour placer ce backer. Là, il attend un peu. Et le backer qui touche. Oh, du seul. Première vie, deux stocks. Easy, il l'a pas. Facile, hein, facile pour Mango. Mais bien sûr que c'est facile. Facile pour Mango. Donc là, on va voir. Ah, Dreamland direct. Ah, forcément. Il choisit Dreamland. Forcément, grand stage. Donc là, pour l'instant, ça avait quand même ses ravis en winner. Justement, malgré justement les possibilités que Fox a justement de partir un peu partout, il avait quand même réussi justement à s'en tirer pas mal. On va voir ce que c'est. On va voir dans j'avoue. Le deuxième. Là, ça se tourne un peu. Tout, allez, encore une fois, ce tap up. Mais ouais, mon gars, version américaine, redoutant. Non, mais laisse tomber. Bon, j'avoue qu'il a fait une sale DI, mais 85%, sur bam, direct, mon gars. Il n'y a pas de prise de tête avec Fox, pas de prise de tête. Là, pour moi, ça prend bien ses distances. Bam, bam, hop là, le neutral. Ça pousse le rondoudou, le backer en descendant. Là, il revient sur le bord en prenant bien son temps, mais il a le temps de pouvoir réagir assez vite. Hop, le smash tenté, mais qui n'est pas passé. Là, Ronaldinho, il tape de derrière. Il a tenté un petit moonwalk chelou. Là, dans le vide, mal barré, mais très vite. Il était sous le stage. Ouais. Il est revenu au-dessus avant B. Ah, ne pas rester en dessous, pas de OB. Jamais contre rondoudou. C'est très dangereux. Là, bien sûr, il fait des petits backers off the shield à chaque fois, justement, qu'on lui. Qu'il se mange un aérial dans le shield au sol. J'avoue, hein. Ces coups au top-shield sont monstrueux, là, à Mango, pour le moment. Attention, là, voilà. Ah, il le brûle, il le brûle, mais bien sûr. Oh, bien joué, Jabrizette, ce match avant chargé. C'est le DI qu'il a fait là-dessus. Mais ouais, le stage très grand, alors forcément, c'est pas, c'est pas que Ken Greybox qui ça va avantager ça, hein, du coup. Forcément, Fox va pas mourir tout de suite, non plus. Ah, dommage. Ah, mais il était toujours là, hein. Il était toujours là prêt pour le gratter. Hop, hop. Oh, regarde comme il tourne autour. Voilà. Il fait un saut juste à côté de lui, mais il fait rien. Il fait un grand saut très loin et il lui retombe dessus. Merveilleux. Les placements Mongo comme ça sont vraiment très propres. Plein de feintes, plein de grâce, je dirais. Il se place trop bien. Là, c'est grave à voir qu'il passe bien. Il s'accroche. Oh, ce Waveland, il est passé derrière c'est direct. De l'effet. Oh là là. Le smash, il a sorti le smash côté, quoi. Incroyable, il est allé tellement vite et en smash avant pas en smash au mode il est passé derrière la tête. Oh la tension, on est peut-être de reste là. Est-ce qu'il faut... Et voilà, là, forcément, grave au reste. Sauf que là, il a fait des basses avec upper, le deuxième. Deuxième upper. C'est déjà ça de donner des petits blasters, c'est déjà ça de gratuit d'ajouter au pourcentage de rondoudou. De toute façon, là, il va commencer à gratter. Oh, le deuxième grabo reste. Ça perd sa stock. Est-ce qu'il a le temps, smacho? Est-ce qu'il résiste? Il résiste. Et là, pour le coup, le damage JK du reste a bien fait mal. Et voilà. Non, toujours pas. Le reste sera pas aussi puissant que les deux restes d'avant. Là, ça va être. Oh, le smash avant, il se jette dedans. C'est impossible. Il a visé trop le bord. Il voulait trop atterrir une Greybox. Et Mango le savait. Il a attendu à l'atterrissage. Smash avant direct. Très, très bien. Il fait des grimaces. Il fait des grimaces là, une Greybox. Il se dit où je vais. Est-ce qu'il retente Dreamland et il retente Dreamland direct. On est déjà justement là. Et c'est peut-être le dernier match de cette émo, mon gars. C'est peut-être le dernier match. Après, justement, une heure finale qui a duré des plombes. On est déjà à un match qui va se perdre. J'avoue. Une minute. Ah, bah c'est typiquement Mango, c'est expéditif. Hein. Ah, Mango, il est là pour les affaires, comme je dis souvent. Il est là pour le business. Il est là pour le business. Donc là, pour le moment, ça se tourne autour, ça touche avec le neutral. Ouais, là, ça ose pas trop. Oh, ça prend 6. Ah, le petit titre, le backer direct, bam.
Malheureusement, ça va bien chez le grab. Il faut légèrement qu'il se confirme. Il est foutu. Et un deuxième. Il va le suivre. Il va suivre le fait tomber de tir. Bien sûr. Il faut sûr. Aller le chercher, bien sûr. Ah là, il pouvait pas se permettre de pas perdre, de pas retirer cette vie. Il était forcé de marquer fort, très très vite là. Là, hop, le petit derrière qui passe. Encore un autre. Non. Malheureusement, ça ne touche et pas. Et Bango qui va quand même. Il essaie même pas de revenir au centre comme les autres. Non, 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 il y va, il se jette. Il veut justement le confronter là-dessus, sur son propre terrain. Ça, c'est typiquement le jeu de Mango, quoi. C'est ça, tu sais, il provoque. Tu crois que tu peux me baiser là? Eh ben non, tu pourras pas. Impossible. Bon, là, ça prend bien ses distances, ça se fait. Là, pour le moment, Mango qui va spammer un peu les blasters, essayer de faire monter les pourcentages avant de tenter de faire des petits combos ou de le tuer. Là, je pense qu'il va juste essayer de... Il cherche la faille, mais Hungry Box fait des coups très, très propres en défense. Bien. Des petits sauts reculants en avançant pour toucher des neutrales en auto-cancel pour très vite réagir derrière. C'est très, très propre. Très, très, très propre. Là, malheureusement, le grab qui ne passe pas alors qu'il avait réussi à le plaquer au sol. Le smash avant dans le bouclier, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est pas une bonne idée. Là, pour le moment, c'est... Oui, oh, la petite Tomahawk, c'est qu'il a fait, cette espèce de petit saut. C'était tenté. Oh, il le fait tomber, pas de tech de la part de Mango. Ouh. C'est vraiment dommage. Il tequait, ça passait. Mais là, pour le coup, je pense que Greybox va perdre sa vie. Oh, il a chargé comme un cochon. Hein. Comme un cochon, des fois que ça passe. Oh, dommage que ça n'ait pas fait Jabri 7, ça. J'avoue. Ça aurait fait plaisir. Hop, et il attend un peu. Blaster. Voilà, Mango qui se remet un peu plus à zoner. Qui dit, oh, on perd le back-air. Là, il est mal barré. Le petit air qui passe le grand barrière direct. Et le reste. Mais ça fait des IBAS, ça va se prendre le smash show. Bam. Bon, c'est pas grave, il a toujours du goût, sa vie d'avance. C'est ça. Justement, donc il a une possibilité de reste, là, il a des meilleures possibilités de reste. Derrière. C'est ça. Là, il va pouvoir être encore plus défensif. Là, il a toute une vie pour gratter avant d'avoir une vie pour pouvoir vraiment agresser. Il a tout son temps là. Il a tout son temps. Le grabo, le reste. Et bam. C'est comme ça que ça se termine. Il se battra. Il se battra, Hungry Box. Hein. Faut pas lui laisser le temps. Ah, c'est pas possible. Ça fait quelques fois qu'il nous remet 2-0 et qu'il revient à 2-2. Faut pas lui laisser cette opportunité là. Il peut totalement gagner 7. Hein. Ouais. Allez, destination finale comme tout à l'heure, il rebannit ça, enfin il re-shop ce counter pick en premier stage. Petite pression pour le moment. Mango qui va plus zoner là-dessus, il a été un peu trop fou dans le dernier. Il s'y voit pas ici. T'as pas encore le trophée dans les mains, Mango. Calme-toi. C'est ça. Allez, on petite pression. Shine derrière. Là, des petits blasters. Là, du coup, il n'y a plus de plateforme. Hein. Mango, il n'y a aucun risque qu'il se fasse coincer sur une plateforme, qu'il se prenne des uppers, rest, machin, ce genre de choses. Donc là, il est beaucoup plus safe à avoir bien prendre ses stances. Ce grab. Bah, qui passe. Oh, il dans le vide, il le fait tomber. Il est mal barré. Il va se faire shiner. Où vas-tu, Mango? Mais il va se faire shiner. Il va le shiner. Normal. Il était trop bas, là. Il était trop bas. Il était forcé de faire des avant mais il pouvait le punir. Il l'a pas attendu. Hein. Ce fou. C'est incroyable. Là pour le moment, bam. Mais j'avoue que c'est grosse prise backer, de risque. Hein, derrière, parce qu'il se rate, il était mort. Toujours des prises de risque avec Mango, toujours. Là-dessus. Un autre backer. Bon, ça zone. Blaster. Le chain qui même passe. Même si le blaster touche pas, quand même, ça fait. ça fait une petite pression. Hein. Ça fait une petite pression, justement. Ça te dit, t'es forcé à attaquer, justement. Non, puis surtout, un blaster, ça fait 3%. C'est 3-2%. Au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Hein. Vu le qui est en plus. Enfin, tu sais, il en tire 2 ou 3 en un saut. Là, 3 par exemple. Pour les 3, ça fait cher. Bien le backer. Double. Est-ce qu'il remonte là, il va... Oh, je pensais qu'il allait viser plus en haut, histoire de mieux diriger sa trajectoire, mais non, il vise le bord, il vise Rondoudou, il veut le toucher peut-être. Dommage. Le grab avant. Et la Mango qui se rate. Il reste au-dessus. Oh, il passe dommage, au-dessus. Très bien joué. Blaster, hop, ça gratte, il attend, il se recule, il prend ses distances. Et le smash J'en étais sûr, il attendait que ça. Il a bien pris ses distances pour le choper juste à l'atterrissage, juste comme il fallait, avec ce up smash. C'était parfait de la part de Fox, genre parfait. La Fariverse upper juste qu'il fallait. Descend en air derrière. Ouh, il y a des petits ralentis dans ce stream. Super. Ouais, ça arrive. C'est assez drôle, c'est beau à voir. La bam. Oh là, le shine là qui tombe dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Non, la tech. Attention. Ah là, il s'est mis dans la merde tout seul. Il a failli suicider le pauvre. C'est la même manière que vous pouvez taker au sol dans les lits. Vous voulez aussi taker sur les murs, justement. C'est vrai. Et là, pour le coup, c'était vachement joli de Hungry Box qui a couru, qui a fait une roulade en avance, qui a permis du coup directement de se retourner et de se prendre un reste de bord de Mango. Mais il est pas mort. Il est pas mort. Du coup, ça fait quand même. Mais il a fait un deuxième. Un deuxième. Et là. Il est grave, hein, c'est sûr que non. Ah là, non. Là, pour le coup, par contre, Mango a des IBA direct après pour le tuer. En tout cas, des IBA là-dessus. Très bien joué.
Là pour le moment des petits blasters. Bam bam le grabo. Oh, oh je vais smash très joli smash de la part de Hungry Box. Ça prend 6 ans, ça reste au sol de la part de Mango hein. Ça sait que ça peut pas sauter. S'il saute trop vite, il va se le prendre. Up air la dash tag, pas de jab reset. Il est tenté. Ah c'est chaud le grab avant. Mango dans une très sale situation. Il a tué le sol deuxième saut. Il le vise encore sur le. Il vise encore le sol. Ah c'est grabé direct. Grab bas cette fois-ci, il reste proche, il le suit la dash attack. L'avant B direct, pas de deuxième saut. C'est chaud, magnifique match avant. Magnifique match avant. Hungry Box qui reprend l'avantage quoi dans ce dernier. Hungry Box qui a joué avec lui hein. Il l'a pas lâché. Il l'a pas lâché, c'était incroyable. Et le père qui passe mais qui ne tue pas l'adversaire, ça sent. Hop, le petit backer là, non, dommage, mais ça fait grave. Oh là 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 là. C'est quoi ce shit fresh? Shine pair. Obligé, ça failli stabber, hein. Il était pas loin. Allez, regarde, tu vois que ça stab. Il visait le stab, mon gars, avec ça. Il le visait, hein. Dans ce match, vous êtes protégé par une boule, en fait. Il n'y a pas de garde hausse, garde basse. C'est juste, c'est protégé par une boule. Et si la boule ne protège pas une partie de votre corps et qu'on tape dessus, ça, on peut toucher, en fait. Du coup, ce que visait là, Mango, avec un coup qui tuait, même si l'adversaire se protégeait, il visait une partie du corps qui n'était pas ou plus protégée. Là, pour Gouchon, ça prend bien ses distances. C'est pas trop mal. Petit backer, bam, le grab, le père, ça passe. Allez, toujours pas mort. Un dernier comme ça, c'est fini. Encore un père, ça touche. Grab avant, attention. Ah, le backer, mon gars, vous êtes sur celui-là en tout le stage. Le deuxième, non, oui. Non. Bah, c'était fini, c'était fini. Qu'est-ce que c'est que ce match? Ils avaient plus de saut. Il veut faire que des remontées aujourd'hui. Il va être mené 2-0 et gagner 3-2 à chaque fois. C'est ce qu'il a envie de faire. En tout cas, 2-2. Oh alors là, et c'est là, direct Yoshi Story. Yoshi Story de la part de. On voit direct la différence Mango. Dès que Hungry Box peut caser des restes. Ça change totalement ce match-up là, quoi. Oh il allait le choper cette plateforme là, direct. Hein. Là, il va viser le kill vite. Mais là, voilà. Là, pour le coup, Mango décide de prendre des risques avec les plateformes plus de risques de combo. Ouais. Mais je pense qu'il veut le tuer vite. Et c'est justement ça l'erreur, quoi. C'est ça l'erreur avec Hungry Box, c'est qu'il faut être patient tout le temps, quoi. Là-dessus, C'est pas pour rien que l'autre a pris Yonglink. Hein. Exactement. C'est qu'il faut être patient. Il peut H24. Être patient là, il a justement garçon. Repris Yoshi Story pour que ce soit un peu plus rapide. Oh, il en saute. Il en saute. Ah, il vit son perso. Pire. Il est, Le backer qui passe pas. Si ça passe, le upper juste derrière, bien joué. Un backer tout upper dans cette position, c'est n'importe quoi. Mais grave le backer lighté sur un rond doudou pour tuer, mettre le upper derrière en mode garantie. Beau gosse, hein, beau gosse. Là, il se bat de front en tout cas. Mais... Neutral, il le suit sur la plateforme et bam, up smash, juste ce qu'il faut. Du bout, le plateforme très bas. Et là, Hungry Box qui essaye de faire peur un peu en sautant dans tous les sens. Là-bas, nerf, encore une fois. Putain, il a envie vraiment de l'attaquer de front. Et là, justement, ça lui fait rater CDI. Et du coup, il peut plus se permettre de rester parce que... Ce one jump backer, là, comme ça, gratis. Il reste bien dans le bouclier, le backer qui touche. Easy, quoi. Incroyable, ce personnage. Il est incroyable. Regardez-le comme il attend un peu. Hop, il prend ses distances. Il monte, il descend. Le backer, le deuxième. Il paye son bouclier. Il repasse au-dessus. Bam! Il le cherche, il le trouve, ce coup. Il le trouve. Mango qui a une solide option, là, pour la vie. Attention. Il remonte. Malheureusement, Hungry Box n'arrive pas à garder ça. Là, pour le moment, petite pression d'Hungry Box. Hungry Box qui met le backer. Hungry Box qui court la plateforme du dessus. Là, pour le moment, ça se touche pas trop. Et ce backer... Dommage. Ça visait le nuage. Ça visait Roubaix. Le Roubaix. Là, pour le moment, ça tente le up. Malheureusement, ça touche pas. Très vite, Hungry Box, il prend ses distances, qui passe en mode mur de backer. Totalement pas fini. Là, pour le moment, blaster, hop, ça gratte. Yoshi Story, le moins de pourcentage va compter. Parce que très vite, on va arriver. Mango qui peut vraiment attaquer de front. La tente. Le père, le backer. Le deuxième. Oh là là. Last match, sur ce premier set de grande finale. Et là, c'est là. Et là, le reste est possible. Voilà, l'occasion pour le reste, justement. Grabant, best match de vie. Hungry Box, toujours pas mort. Mango, champion de cette Evo 2014. Mango de l'équipe C9 qui a tout gagné, qui est resté en winner tout le long. Il n'est pas allé dans les losers. Deux fois de suite champion de l'Evo 2014. 2013, Evo 2014.
Il confirme son statut de meilleur joueur du monde. Incroyable. Donc l'Evo encore dirigé par un fast follower. Hein. Et encore par Fox. Mais le seul, hein. C'est le seul qui arrive à te pousser à ce niveau-là quand même. Faut quand même. Cette folie. Ah, c'était fou. C'était fou. Bon, ouais, il avait dit qu'il gagnait. Il avait dit qu'il le gagnerait. Il avait dit, hein, il a annoncé, j'ai peur de personne. Je vais vous montrer comment ça se passe. Oh. Allez. Et Ken qui arrive en strike. Il... Impossible. Ah, c'était incroyable. Incroyable ce qui s'est passé. C'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, je voulais un reset parce que là, c'était pas assez. C'était trop court. Oh. Savourer. Non, ah, je suis d'accord. Je suis d'accord de ce côté-là. Le reset, non. Comment ça, non? Non. Non. On est d'accord. Il ne gagne aucun tournoi par l'Evo, hein, cet homme. Hein. Ah, ah quand même. Justement. Non, s'il vous plaît. Il y a quelques non, temps. Si, respecté. Non, il a gagné le King of Cali il y a 2 semaines. Ouais, ranking du coin. Il a gagné King of Cali. Il a gagné le tournoi MLG. Ah ouais, bah non, bah il gagne pas que l'Evo alors. Ah non, 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 non. Non, non, non. Mango, c'est un monstre, c'est un monstre, c'est un vrai monstre. El Mango. Quand même. El Mango. À part temps. Tu n'as pas vu, on était à combien de viewers sur Twitch au niveau de mes... Je sais pas, je crois que on a dépassé les 100 000 là. Easy. Là-bas. Bah easy, ouais, c'est pas les 170 000 de l'année dernière quand même, oh, mais dommage. Bon, 135. Mais parce qu'il est trop tôt. Ouais, je sais pas, ouais, peut-être il est trop tôt. Bah là, tu peux aller checker hein, rapidement hein, sur combien on est hein, sur la fin de cette finale. Mm. À mon avis, ça va se presser sur le rang américain. Je sais pas si on m'entend, Big B d'ailleurs. Avec ce micro. On t'entend tout à fait et tu satures comme ton habitude. Ah bon, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, bien entendu. Merci. Ils sont fous. Regarde, il y a un duo. Il y a un duo dans le. Il y a un duo. Il y a un mec qui sort. Il sort une image de duo. Ah, on sait pas pourquoi. C'est la petite tête là dans le. Oui, la tête, c'est voilà. Duo. C'est Duo Brando de Jojo. D'accord, c'est ça. Le mec qui s'amusait à brandir à la Brando. à tout va, quoi. On sait pas. Un duo random. Mais on joue à tout. Ah, c'est quand même des belles finales. Du coup, est-ce qu'on va avoir droit à une annonce de Nintendo là après les finales? Alors, non. C'est pas Nintendo qui va faire l'annonce, ça va être Namco qui va faire une annonce pour annoncer Tekken 7. Oh, voilà. Mais comment ça se fait? Mais tu spoil d'où tu sais déjà ça toi? Non, je peux vous spoiler la gueule, j'en ai rien à foutre. Allez, voilà. Axe, ça marche super bien. Nous, on a beaucoup de pubs d'ailleurs, Axe, en ce moment sur Gaming Live. Et c'était pour que le Pikachu aille le plus loin possible. C'est le Axe Drive, le Axe Provoke. Ouais, c'est ça. Ça... Axe, il devrait se faire sponsor d'ailleurs par Axe. Hein. Il devrait chercher de ce côté. Ouais, mais je pense aussi Axe, ça peut être stylé. Hein. En plus, ce qui est très drôle, dans Pokémon, le Axe, c'est le random, justement, c'est la chatte. Je suis un peu déçu d'être cinquième, là. Alors, le Axe qui utilise le Axe, c'est stylé. Il est guaqué de la vie, hein. Pipi, quatrième. On a atteint les 140 000, en tout cas, sur Melee. 140 000 viewers. Ah, bah voilà, alors ça, c'est Armada, troisième, notre champion de l'Europe, les enfants, le champion de l'Europe. C'est celui qui est le plus loin. Non, il a fini quatrième l'année dernière. C'est dur de faire la différence entre Armada et Mewtwo King. Il y en a un, il a des cheveux. Il est stylé, Hungry Box. Hein. Ah, mais c'est le meilleur deuxième. Parce que même au tournoi de l'Evo, au tournoi de l'E3, sur le nouveau Smash, il avait fait deuxième. Ouais, et là, il refait deuxième. Mais très là, bon Poulidor. 3-2 à chaque fois, dans toutes ses winners et losers. Et surtout, il a fait des remontées à chaque fois de folie. Bon, il n'a pas pris cette chope à la fin, il aurait pu remonter encore une fois. Hein. Et là, Mango, toujours premier. Ouais. Vraiment. Allez, ramène le trophée. Voilà. Ça fait 2 à la maison, merci. Lui, il est un guacab. Maintenant, tu remportes 2 fois les votes, t'es un guacab. C'est impossible, hein. Il n'y a aucun main game. Personne ne vient t'embrouiller. Hein. Mêler son jeu, son Fox, voilà. Son perso. Justement, un bon perso, s'il en est. Oh, un excellent. Bon. Ah, c'est le meilleur joueur qui joue le meilleur perso. Aïe. Allez, faut qu'il nous brandisse encore, là. Et 2-2. Il ne va pas nous faire comme le joueur de Killer Instinct, non? Il garde ses larmes. Oui. Il fera ça. Il l'alarme fera ça de bonhomme. Ah ouais, petit larmichette quand même. L'alarme de bonhomme est là, comme je dis. Il y a petite larmichette quand même. Ah, non, par contre, il aime pas ça. Caméra, il aime pas ça. C'est l'alarme du bonhomme. Là. C'est l'alarme du bonhomme. Oh, par contre, Deron, il est en pleurs. Il est en train de se faire dessus. Ah, je ne sais pas, il a peut-être perdu son papa ou sa maman là. Non, mais. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'émotion, il va dire un mot. Vous imaginez. Mêlé, alors que ça restait ultra confidentiel là depuis 2-3 ans,
On arrive à une salle entièrement pleine, 140 000 spectateurs, c'est beaucoup d'émotions hein, quand même. Hein. Ça fait beaucoup d'émotions. C'est beau, hein, ces images, c'est beau quand même. Mais attends, t'es sûr qu'il est en train de raconter un truc? C'est un peu too much. Bah non, on a pas le son là. Si seulement, parce que là, avec les yeux fermés et tout et tout, en plus, là, c'est vraiment dramatique. Il n'ose pas regarder les gens là. Ah ouais, peut-être, même sur le stream, on l'entend pas. C'est Stevie Wonder, il est devenu aveugle. Eh, mais j'ai le son. Voilà. Comment ça se fait qu'on a le son? Bah, on nous a mis gentiment le son. Ah. Nous avons un réalisateur, sache-le. Alors, donc il disait merci pour que le jeu ait enfin la reconnaissance qu'il mérite. Ouais. Vive Melee et les gars de Street allaient tous mourir. Ah, d'accord, ok. Ça va, c'est une bonne guerre. Non, mais après, il y a Marvel. Hein, j'ai peut-être rajouté un mot. Faut dire là, que quand même Melee revient de loin, 14 ans, le jeu il est sorti en 2002. Là, je me rappelle que dans les premiers tournois qu'on faisait en France, on était bloqué des Japan Expo, on était bloqué dans des Japan Expo, mais surtout, dans des festivals parisiens. Mais, attends, mais surtout Prog en fait, là, qui reçoit son trophée, son t-shirt, surtout ça en fait. Mmh. Parce que Prog prenait sa retraite, c'est qu'il arrête en fait. Sa retraite C'est que Prog arrête. Prog a énormément de... On était bloqué. Il prend sa retraite, sérieusement. Il a énormément de problèmes de santé en fait, Prog. Prog prend sa retraite. Il s'est énormément surmené, il a beaucoup de soucis, il pouvait pas continuer. Et je pense c'est ce qu'a annoncé D1 du coup, vu que l'équipe de duo de commentateurs devoir s'arrêter là. Et je pense qu'il l'annonçait et qu'il l'appelait. C'est lui. Enfin, en même temps, c'est lui le papa de la communauté Smash. Hein. C'est lui qui nous a tous traînés, qui nous a tous amenés. Hein. C'est lui qui a rassemblé tout le monde l'année dernière pour les vœux derniers, qui nous a tous rassemblés, qui nous a fait. C'est lui qui fait partie des gens qui ont lancé justement la campagne pour revoir Mela à l'Evo en 2013. Tu sais, quand le Nintendo voulait bloquer le stream, c'est lui qui a lidé tout le monde pour justement lancer, faire la campagne et se battre contre ça. Un monsieur. C'est un gros, gros monsieur. Un monsieur. Un bonhomme. Et on en connaît plus sur ses problèmes de santé. Et pourtant, il a l'air d'aller bien. Hein. Mais ouais, non, ça fait un petit moment qu'il les traîne. Je sais plus exactement ce qu'il a. Mais ça, c'est le destin de tous les commentateurs. Hein. Ouais, je ne vous l'ai pas dit, mais il me reste 2 ans à vivre, en fait. Hein. Ah, d'accord. Bon, ouais. Ouais. C'est terminé. C'est bon, après Ultra Street Fighter Max. Oh, je devrais. Max 2014 et 10, 2015 et 10. Ouais, et après, ce sera ma retraite. Voilà. Sinon, c'est le risque. C'est terminé. Un GG à lui, en tout cas. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup dans l'organisation, dans les commentaires. Mais on l'a vu, de toute façon, au tournoi de Nintendo à l'E3. Hein, on l'a vu. Où il continuait, où il avait fait comment bien les commentaires, je crois, avec D1. Il est triste, D1, parce qu'il sait pertinemment qu'il va être remplacé par un blanc. Et ça il peut pas. Ça le saoule. Putain, ça va être encore un blanc qui va le remplacer, j'en ai marre. Fais chier. Oula. Tout va bien, t'en fais pas de panique. Non, mais les lumières changent en même temps qu'il regarde au sol. Il regarde les lumières, ça me fait flipper. Il regardait, ça s'est éteint partout. Allez En plus, il balançait le micro. Ah, balance ton trophée. Allez. Ah, vraiment, Prog. Là, c'est EuroBC. Tu m'étonnes qu'il ait son trophée. Je suis bien content qu'il lui ait filé. Hein. J'avoue que c'est un vrai héros de ce match. Hein. C'est un vrai héros de ce match, ce gars. Le 3, puis l'Evo. C'est quelqu'un qu'on devrait voir justement dans les Smash Story. Là, dans les. Comment ça s'appelle ? J'avoue. Pas forcément que des joueurs, justement. Il y a une playlist, on va dire, des vidéos qui ont été montées par la communauté Smash, en fait, qui montrent justement l'histoire de Melee. Mmh. L'histoire justement des grands joueurs de Melee depuis le début, depuis 2003-2004 jusqu'à aujourd'hui. Et donc tous les grands joueurs en fait qui ont participé à Melee, donc Ken, Me Too King, Dr. Pipi, Mango, Armada. Armada bientôt qui va bientôt sortir. Et justement, faudrait aussi, pas forcément que des joueurs, mais aussi des organisateurs comme Prog qui ont monté les communautés ensemble. Et ça vraiment, ce genre de personnes, c'est ceux dont on devrait avoir vraiment des vidéos en fait. Pour savoir, parce que lui, il est tout seul, il n'est pas si bon que ça. Et c'est souvent les gens qui sont pas si bons que ça au jeu, mais qui aiment tellement le jeu. Ils deviennent commentateurs. Non, j'en sais quelque chose. C'est ça. C'est ça. T'en fais pas. Je sais très très bien ce que ça fait. Et ne t'en fais pas. Je sais très très bien. C'est les sacs qui organisent. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait aucun espoir, jamais. Je me suis dit, écoute, on va passer de l'autre côté. Hein,
On va essayer de tous les bouger. C'est plus pépère. Ouais. C'est moins pépère finalement, mais au moins. Donc voilà. Moi, ça demande pas ce qu'il dédoit. Mais écoutez, merci infiniment, infiniment d'être venu, d'avoir cancellé quand même tes vacances. Hein, pour venir commenter les vous, tu regrettes, tu regrettes pas? Ah non, mais ça, non, mais ils m'attendent du coup, je reviens demain, vous inquiétez téléport. Pas, les gars. D'accord. Téléport. Retour en vacances pour Foster. Et toi, Aska, merci encore d'être venu pour la deuxième année consécutive ici sur les plateaux. Waouh, tu es mon striker. T'es mon mec, hein. T'es complètement mon mec. Je suis ton zéro. Moi, je. Voilà, c'est ça. Je te recontacte tous les jours. Voilà. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Ouais, même... Bah maintenant, c'est easy. Je pense qu'on sera mêlé. Enfin, on verra si on sera à l'évolution l'année prochaine. Il y a Smash 4. Il y a Smash 4. Ah ouais. Il y a Smash 4. Ouais. Smash 4, ce sera ça la grande question, à mon avis. Mais il y a un moment, il faut quand même faire le pas ou le saut sur quelque chose. Ah, on peut rester sur les premières amours de mêlée. Oui, voilà, c'est ça. Ah, oui. Moi, je suis toujours resté sur mes premières amours de DX, mais il faut savoir aller vers les jeux. Mais DX, à chaque fois, il y a eu des nouvelles rééditions qui ont fait que. Non, mais DX, c'est le même jeu depuis 1994. Donc, oui, alors. C'est le même jeu. Avec tes 2002 de mêlée, tu vas bien. Il y a là. Il n'y avait pas des patchs online. Voilà, c'est pas cette histoire. On va dire qu'il y a. L'actualité de DX, elle s'est toujours faite. C'est surtout Capcom qui a toujours aussi organisé soit des trucs. C'est la communauté qui bouge de Zix, ça, c'est uniquement la communauté. Non, c'est le même genre d'idée, 3.3, c'est exactement pareil. Et truc. Et à un moment, il faut aussi passer ailleurs. Et si en plus, bon, Nintendo essaye de faire ce que j'ai entendu dire, il y a des rumeurs quand même qui circulent sur le fait que certains, par exemple Mewtwo King, n'aient pas été présents au tournoi invitationnel de l'E3, soi-disant peut-être parce qu'il serait bêta-testeur du jeu et qu'il serait dans le processus de bêta-test de Smash. C'est pas rien, hein, si on commence à entrer des bêta-testeurs qui sont des vrais joueurs de Smash, ça peut donner des choses intéressantes pour le prochain Smash. Et ici, Foster, toi, j'espère sincèrement qu'on te reverra le plus rapidement possible sur Gaming Live. Ah, mais c'est bien le but en tout cas. Hein. D'ici les vacances, KNE va partir en vacances. Aller sur les hein de Marvel, hein. Du coup, on va essayer de te trouver un créneau dans le remplacement de KNE, d'accord? Pour faire du mêlée. Merci, c'est gentil. Du vrai mêlée en live. On va en faire la masse. Ah, voilà, exactement. On va en faire la masse et on va parler de Smash aussi sur Gaming Live. On va enfin pouvoir parler de jeux sérieux. Voilà, exactement. Régulièrement. Exactement. Je vous fais des bisous, on va faire une courte pause et juste après, eh bien, on retrouve Asenka qui lui a déjà s'installé. Voilà, alors regardez-le. Là, hein. Alors si vous voulez son nom, son adresse, c'est Guillaume d'Horizon, il habite à... Voilà. Il est là, hein, il est s'il vous plaît. 06, il ne s'invite pas. Et Monsieur Karaté qui a le standing pour commenter les vœux, vous allez le voir. Hein. Il a le standing, t'aurais dû avoir le standing pour commenter les vœux aussi. Et on va se retrouver donc avec le top 8 de Marvel versus Capcom 3. Jeu très attendu par les Américains, un peu moins peut-être en Europe, mais beaucoup aussi par de nombreux joueurs, par de nombreux spectateurs européens. Et on terminera, à mon avis, vu le retard que ça a pris. Aux alentours de 5h du matin par le top 8 de Street Fighter 4. Pub, et on se retrouve juste après.